Salut YouTube. Bon ben voilà, cette petite vidéo, je vais te faire une présentation d'une application. C'est Liberty Rider. Alors, c'est une application pour motard où tu as pas mal de choses dedans. Et voilà, je voulais te faire partager cette application parce qu'en fait, moi mon assurance, je suis à la Massif et mon assurance moto, en fait, elle me paye pendant un an cette application qui est gratuite, mais voilà, elle est aussi payante pour avoir des options en plus. Alors je vais te montrer ces quelques petites options. Alors voilà frérot, je vais te montrer un peu tout ce que cette application elle peut faire. Alors en premier, tu as la détection de chute et l'intervention des secours en 3 minutes. C'est-à-dire si tu te pètes la gueule, tout de suite l'application elle va prévenir les secours. Alors ça, ça je crois que tu l'as dans le mode payant. Mais t'inquiète, ça coûte pas un bras. Je crois que c'est 10€ par an l'application pour avoir toutes ces belles options. Alors déjà t'as l'option là, t'as la détection de chute, c'est-à-dire que tu te casses la gueule. Et voilà, si t'es tout seul, tout de suite l'application elle va appeler les secours. Alors déjà elle va essayer de t'appeler toi, voir s'il y a un problème ou pas. Et si tu réponds pas, là tout de suite elle appelle les urgences et tout ça. Ensuite, t'as la protection. Elle se lance automatiquement dès que tu roules la moto. C'est-à-dire que même si tu lances pas l'application, dès que tu vas commencer à rouler en moto, elle va comprendre que tu roules en moto et elle va lancer l'application et elle va en même temps lancer la protection pour si tu te pètes la gueule. Ça c'est super cool parce que parfois tu peux partir et puis tu te dis merde, j'ai oublié de lancer l'application. Là, elle se lance automatiquement. Et ça c'est cool. Ensuite, voilà aussi. Quand tu as le GPS ou que tu fais des road trip, là elle va te dire, elle va t'avertir si tu arrives dans un virage trop dangereux. Genre t'arrives trop vite dans un virage, elle va te faire une grosse alerte sur ton téléphone pour te dire ralentis, t'arrives trop vite et c'est dangereux. Alors ça c'est pas mal aussi parce que parfois tu connais pas bien les virages et si t'arrives un peu trop vite, elle va te lancer une alerte et tu vas te dire oh là j'y vais cool. Et quand tu vas rentrer dans le virage, tu vas te dire merci l'application parce que si je serais resté à la vitesse là, je sais pas ce qui aurait pu se passer quoi, tu comprends? Ensuite, tu peux gagner aussi de l'argent. Alors c'est de l'argent fictif. Alors, en fait, plus tu roules et plus tu gagnes de l'argent. Et après l'argent là, tu peux aller acheter des trucs sur le site de chez Daffy. Et tu peux avoir des réductions 15% sur du produit pour la moto, 15% ou 20% sur des gants. Enfin, tu verras voir dans l'application. Et tu peux avoir des bons prix sur des trucs accessoires moto et tout ça. Et ça, je trouve que c'est pas mal quoi. Ensuite, après, tu as un carnet de bord. Alors là, le carnet de bord, en fait, c'est tout ton suivi de ta moto. Alors quand tu vas commencer l'application, tu vas mettre. L'année de ta moto, la marque de ta moto, le nombre de kilomètres, et elle, en fonction de ce que tu roules par rapport aux kilomètres que tu vas faire, elle va te dire quand il va falloir que tu fasses la vidange, quand il va falloir que tu fasses l'entretien annuel, quand il va falloir que tu fasses le liquide de frein et tout ça. Alors tu vois, moi je suis en orange pour la tension de la chaîne, je pense que dans pas longtemps il va falloir que je la fasse, mais t'as aussi tout ça, le graissage, t'as tout ça quoi. Ensuite, voilà, tu as tout ce qui est road trip. Alors en fait, tu as déjà des trucs, des road trips déjà faits dedans que tu peux aller voir. Et tu mets par exemple ton code postal et elle va te mettre tous les road trips que des motards ont déjà fait et qu'ils ont mis ça dans l'application. Alors tu vois, tu en as pas mal. Hein, et ils te marquent la durée, le niveau, si c'est débutant, expert, le nombre de kilomètres. Et pareil, le truc, c'est que tu peux te faire ton road trip à toi aussi. C'est-à-dire que tu auras une carte, tu vas aller sur la carte et tu vas mettre des points là où tu vas faire ton truc et elle va te faire le parcours. Elle va te dire la distance, le temps que tu peux mettre et après tu peux l'enregistrer et puis le partager avec d'autres motards ou pareil, leur faire. Toi. Tu peux recommencer ton road trip et tu auras déjà ça toi, dans ton un petit bouquin en fait. C'est un petit bouquin où tu vas mettre tous tes parcours que tu auras enregistrés. Ça je trouve que c'est pas mal parce que moi il y a plein de coins que je connais pas et je me suis déjà fait de ma petite carte et je me suis fait plein de petits trucs où je me dis tiens je vais passer par là, il y aura peut-être des beaux villages, il y aura des beaux coins à voir et c'est super cool quoi. Alors voilà, ce qui est gratuit dans l'application, tu as l'envoi et suivi du trajet par SMS.
Alors ça, en fait, c'est quand tu pars, tu peux désigner un ange gardien. C'est-à-dire que dès que tu vas partir, tu vas lui envoyer un SMS pour qu'elle puisse suivre ton ou quelqu'un, n'importe qui, hein, ton frère, ta femme. En fait, elle va pouvoir suivre tout ton parcours et voir s'il y a un problème et voir où tu en es ou voir si tu commences à rentrer chez toi. En fait, elle va, grâce à ce SMS, elle va avoir un lien où elle va pouvoir te suivre. Et ça, je trouve ça génial, quoi. J'ai déjà testé et ma copine, elle a suivi tous mes trajets et ça la rassure. Elle se dit, ah bah tiens, là il est en pause, il s'est arrêté. Alors elle m'appelle, est-ce que ça va? Je fais oui, je me suis arrêté un petit peu, tu vois. Et après, je repars et puis hop, ça continue, elle me suit et puis elle voit un peu où j'en suis. Ensuite, tout ce qui est balade et road trip, roadbook, c'est-à-dire tout ce qui était balade et tout sera enregistré. Ça, tu as ça dans l'application gratuite. Ensuite, le GPS moteur, oui, parce que tu as le GPS dans l'application là. Alors je t'explique l'application et après on va essayer ça sur la route. Alors je vais te faire les deux, c'est-à-dire que sans le GPS et après avec le GPS. Ensuite, tu as tout ce qui est historique de tes trajets, c'est-à-dire que tu peux garder tous tes trajets, tu peux les garder dans un petit bouquin. Et tu as tout ce qui est l'argent. C'est le petit l'argent fictif là. Ça tu l'as dans l'application gratuite. Et dans la payante, alors tu vois, normalement c'était 10 euros par mois. Et là ça passe à 4 euros par mois. Alors franchement, je trouve que c'est cool parce que si tu fais 5-6 mois de moto et que tu roules pas l'hiver ou quoi, pour 4 euros par mois, je trouve que c'est vachement intéressant. Parce que dans les 4 euros par mois, tu as tout ce qui est déjà avantage. Tu as tout ce qui est gratuit. Et en plus, tu as la détection d'accident et les appels au secours. Tu as le lancement automatique de l'application quand tu prends ta moto. Tu as l'alerte quand tu es dans les virages dangereux. Et tu as deux fois plus d'argent quand tu roules. Pour 4 euros par mois, je trouve que c'est cool parce que tu te pètes la gueule. Pour 4 euros par mois, si ça peut prévenir les urgences, c'est génial. Alors ce qu'on va faire, là, elle a bien chauffé la moto. Alors on va aller faire un petit tour et on va essayer l'application sur la route. Voir ce que ça donne. Allez, t'es prêt? On est parti. Oh, go! Bon, mon frérot. On est sur la bécane. Là, on va partir. Alors, soit je peux la mettre en route et c'est parti. Et je vais tester si elle se met en route toute seule quand je pars à moto. Alors, j'espère que déjà, ces débuts d'explication, je t'aurais bien expliqué un peu l'application. Alors maintenant, on va essayer ça sur la route. Allez, c'est parti. Alors nous revoilà, frérot, tu vois, elle s'est lancée toute seule, l'application. Et juste avant, elle m'a demandé si je voulais envoyer un message à ma chérie pour qu'elle suive mon trajet. Alors je lui ai dit non, je lui ai fait là, il n'y a pas besoin. Mais voilà, tu vois, elle s'est déjà lancée toute seule, l'application. Alors on va tester. On va tester cette belle application que je trouve plutôt pas mal. Et on va voir si ça marche bien. Alors comme tu vois, j'avais l'option SMS et j'ai l'option protection qui est activée. C'est-à-dire que si je me pète la gueule, c'est bien. Au moins les secours seront avertis. Alors comme tu peux voir sur l'appli, elle me met le nombre de kilomètres et le temps pour l'instant que j'ai fait quoi. sur le parcours. Alors là, en fait, je teste l'application sans le GPS. Et après, je vais m'arrêter et je te mettrai le GPS. Pour voir si le GPS il marche aussi. Parce que j'ai pas testé tout ça. Moi, le plus souvent, le téléphone, il est dans ma poche. Et en fait, l'application, elle se lance toute seule. Et c'est quand je rentre, j'ai tout un récapitulatif de mon trajet. Combien j'ai fait de kilomètres, le temps que j'ai mis, combien j'ai fait de pause. Parce qu'en fait aussi l'application, dès que tu t'arrêtes, elle va comprendre que tu es en train de faire une pause. Et elle va se mettre en pause. Et dès que tu repars, elle se renclenche. Alors tu vois à peu près les pauses, le temps de pause que tu as mis. En fait, elle va te dire tout ça l'application. Alors oui, je sais, il y a plein d'applications moto. Il n'y a pas que celle-là. Mais moi, je n'utilisais pas d'application moto. Moi, je mettais le GPS et puis... Et en fait, grâce à mon assurance, en fait, qui me paye l'application à l'année, je me suis dit, j'ai une application gratuite.
Bah pourquoi essayer de pas l'utiliser, autant en profiter. Et j'ai testé, et en fait, bah voilà, si je te la partage, bah c'est que bah franchement je trouve que c'est une bonne application. Et j'ai jamais vraiment testé comme ça sur la route, moi à chaque fois le téléphone il est dans la poche. Et c'est quand je rentre à la maison bah, qu'en fait j'ai mon récupératif de tout ce que j'ai fait de la journée. Et aussi je sais bah, l'argent que j'ai gagné. Déconne le truc là. Ça c'est souvent les MT, tu sais, ça te met plus trop bien le rapport. T'es obligé de relâcher un peu l'embrayage pour comprendre à quel rapport t'es. Ah c'est les MT ça. Bon alors là tu sais quoi, on va aller se mettre dans un petit coin, on va s'arrêter. Et puis on va arrêter l'application pour voir. Et après on va mettre le GPS. Ah voilà mon frérot, on est arrivé, on s'est arrêté. Alors là ce que je vais faire c'est que je vais arrêter l'application. Et normalement elle va me dire un peu tout ce que j'ai fait quoi. Alors là je lui dis stop. Alors déjà est-ce que je vais renvoyer un message à ma chérie pour lui dire que je suis bien rentré. Alors si tu peux lui mettre un petit SMS perso. C'est-à-dire que tu vois moi je lui ai mis mon trajet s'est bien passé, je suis bien arrivé à destination. Ouf. Voilà, je peux lui envoyer pour lui dire que je suis bien arrivé. Bon, je vais pas le faire parce que voilà. Et voilà. En fait, déjà, j'ai déjà gagné 154 flouzes. Alors, je sais pas, je vais les collecter. Voilà. Et voilà, c'est gagné. Et on voit un peu le parcours que j'ai fait. Alors, j'ai mis 11 minutes à moto. J'ai fait aucune pause. Et ma distance, bah, j'ai fait 8 km. J'ai l'altitude. J'ai fait 200. Voilà, j'ai fait zéro pause. Bon bah là je me serais arrêté, j'aurais attendu un peu, elle aurait compris que j'aurais fait la pause, elle m'aurait mis une pause, et si je serais reparti, bah elle se serait remis en route. Alors là maintenant bah, on va essayer le GPS. Alors les flouzes, voilà c'est pas compliqué. Je vais dans mes gestions, dans boutique. Alors là il va chercher. Et voilà, alors là pour l'instant je suis à 6000 flouzes. Et voilà, tu peux avec 5000 flouzes, bah voilà, tu peux, toi, tu as plein de trucs disponibles. Pour 5000 flouzes, bah voilà, tu auras des produits avec un pourcentage, des bâches moto, des tourcoups. Tu peux même avoir, toi, des béquilles d'atelier, des antivols. Après, tout ce qui est graissage, tout ça, tous les entretiens de la moto. Voilà, toi, autant de flouzes, plus tu roules. Alors, si t'es quelqu'un qui roule vachement, et ben voilà, tu peux avoir des bons trucs, quoi. Des gants, des intercoms. Toi, t'as 10% sur un intercom Freecom 2. Bah, je trouve que ça peut être intéressant pour quelqu'un qui roule vachement. Bah, voilà, il peut se faire plaisir à avoir des prix chez Daffy. Parce qu'ils sont en partenaire, Liberty Rider, ils sont en partenaire avec Daffy. Allez, voilà. Bon, maintenant, on va essayer le GPS. Alors là, je lui ai mis un itinéraire. Je lui ai mis que bah, je rentre jusque chez moi. Voilà, je fais démarrer. Voilà. Alors là, bon bah. On va essayer le GPS si ça marche. Allez, on est reparti mon frérot. On va écouter ce qu'elle raconte. Les motards. Ah, de la bonne bécane. Hein. Alors là, je sais pas où il m'emmène, mais c'est pas par là chez moi. C'est un peu con le GPS. Ah, c'est bien à Liverdun que je vais. Je sais pas, ça se trouve elle m'emmène je sais pas où. Ouais mais j'ai pas envie de tourner à gauche là, c'est pas par là. Bah, le GPS il est pas au point. Ah bah tu peux recalculer l'itinéraire. Hein. Ah, elle va vraiment me faire tourner à gauche. Hein.
Après il faut que je tourne à droite. Oh, vache. À gauche, il me dit de tourner à gauche. Oh putain, et puis en plus, tu de la merde. Mais ça se trouve, c'est un GPS de moteur. Hein. Ça veut dire. il te fait des itinéraires, le gars. Ah, tu fais 200 km alors que tu peux faire que 5 km pour rentrer chez toi. il te fait un itinéraire de 200 km. Ah, tu fais le tour de la France. Ah, pour l'instant, là, le GPS, il est bien. Ah, je l'entends dans l'intercom. Pour l'instant, voilà, il m'a pas perdu. Bon, tout à l'heure, je pense qu'il voulait me faire prendre un chemin, un autre chemin, mais moi, voilà, je vais au plus rapide. Ah, c'est les GPS. Hein. je délire. Bon, pour l'instant, ça va, il m'a pas perdu. Mais bon, comme tu vois, t'as la route. Voilà, c'est un GPS normal. Là, tu vois, il m'a dit à 400 mètres, je prends la deuxième sortie au rond-point. Bon, ça veut dire que je vais tout droit. Non, ça va, il marche bien là. Il m'a encore redit, reprends la deuxième sortie, gros, te trompe pas. Alors, première et deuxième. Voilà. Voilà, je te fais une démonstration parce qu'en fait, je connais la route. Mais je vais pas faire 36 000 km pour te présenter une application. Mais voilà, ouais, le GPS, ouais, il est juste là. Il m'a pas perdu. Voilà, tournez à droite, il m'a dit. Dans 2 km j'arrive chez moi. voilà, il m'aura pas perdu. Bah le GPS, ouais, il marche bien. On peut pas dire le contraire. Ah voilà frérot, bah je t'ai montré un peu l'application Liberty Rider. Je t'en ai fait un peu la présentation parce que c'est vraiment une bonne application. Les copains, ils sont là. Voilà, je t'en ai fait une bonne petite présentation. Bah j'espère que ça t'aura plu. Et que bah voilà, si tu as envie d'une bonne application moto, bah franchement celle-là elle est géniale, elle est gratuite. Et si tu veux vraiment les trucs en plus, l'accident, toi la protection moto, si t'as un accident, il prévient les secours, avoir plus de flouze, pouvoir avoir des road trips, tout ça, et bah voilà, c'est 4€ par mois, c'est pas méchant. Et tu peux arrêter l'application quand tu veux. Donc bah voilà frérot, c'est là que je te laisse. Et je te dis à la très vite pour une prochaine application. Allez, à très vite. Hey, attention. Ah, on va faire le graissage de la chaîne maintenant, elle est bien chaude là. Voilà. Vous êtes arrivé à la destination. Elle est sur ma gauche, la destination. Ah, il est cool le truc là. Elle m'aura pas perdu, c'est bien. Voilà mon frérot. Alors si j'arrête l'application. Ah, en plus tu peux inclure toi les autoroutes. C'est-à-dire si t'as pas envie de faire d'autoroute, éviter les trafics. Bah t'as le guidage vocal. À l'alerte vitesse, voilà, toi, si tu vas trop vite, elle va te dire oh, c'est limité, machin. Ah, c'est pas mal. Les essences, ah, c'est cool. Ça, elle va te dire, toi, si t'as envie de chercher des trucs à essence, et bah voilà, non, c'est pas mal. Voilà, on peut dire j'arrête et j'ai regagné encore un peu d'argent. Allez, c'est gagné. Voilà, voilà, frérot, c'était l'application Liberty Rider. Bah voilà, j'espère qu'elle t'aura plu cette petite application et puis que, qui sait, tu te diras ouais tiens, pourquoi pas l'essayer. Allez, à très vite. Yeah.